Salut les amis, c'est Monsieur Non, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Diablo 3 les amis. Oui oui, vous ne rêvez pas, je suis bien avec mon féticheur Crow de l'enfer et on va débuter cet épisode tout simplement par un anneau de l'énigme. Hein. On va aller faire un anneau de l'énigme les amis parce que j'ai besoin de gemmes si c'est possible. Donc si on peut tomber sur un gobelin de gemmes à l'intérieur du pactole, ça m'arrangerait. Et puis accessoirement, ça va nous faire du pognon, hein. Ça va nous faire du pognon. Donc on va le faire en T13 par contre, je risque de me faire défoncer la gueule par Avarice. Mais c'est pas bien grave. On va tout simplement essayer de gagner un. Au bout d'un moment, on y arrivera. Je vais essayer d'y faire très attention quand même. Alors le problème, c'est que voilà, comme d'habitude, je n'ai pas... Ce n'est pas encore prêt. Je n'ai pas d'attaque. Hein. Je n'ai pas de coup blanc dans ce perso, donc c'est très compliqué de péter les petits monceaux de... Un peu de patience. Les petits monceaux de... Oh, les petits monceaux de pactole, là. Et les enfants, là. Venez ici, voilà. Venez ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas... Mettez-moi ça ! Allez ! Je vais essayer de garder... je vais essayer de garder mon truc pour ici, voilà, quand ils sont trois là. Il faut me buter celui-là là. Il va se barrer celui-là là. Oh, oh. Voilà, merci. Allez, butez-moi ça. Ce n'est pas encore prêt. Voilà, c'est bien les gars. On continue. Voilà, butez-moi ça. Voilà, c'est bien. Exactement ce que je voulais. Merci. Alors le problème c'est que j'ai aucun coup blanc avec ce personnage, donc du coup c'est très compliqué des fois d'ouvrir les portes dans les failles ou tout simplement bah, de casser les petits monceaux de pièces d'or là, hein, qui nous donnent de l'or. J'ai rien oublié normalement. Non, c'est bon. Nous n'avons rien oublié. Mais bon, c'est le jeu, un peu plus 7 comme on pourrait dire, hein. C'est le jeu. Donc on se débrouille avec. Il faut attendre. Oh, t'as encore un bleu, t'es sérieux? Allez les petits enfants, s'il vous plaît. Voilà, venez me buter ce connard. Ce n'est pas encore prêt. Comme tout à l'heure, on va garder les piranhas quand ils seront, voilà, divisés par 3. On va en avoir besoin. Ah, je l'ai mis à côté, ah c'est pas bien. Oh, ils vont s'échapper. Oh, ils vont s'échapper, ces petits bâtards. Butez-moi ça tout de suite. Oh non! Il ne fallait pas ouvrir la porte, espèce de con. Je ne peux pas porter plus. Bon, c'est pas grave, on va faire partir le... Ouais, mais l'autre, il est parti, là-bas. Hein? Ouais, bah oui. Il s'est échappé. Ah! Il faut attendre. Fuck! Les bleus sont cool, parce que les bleus, c'est quand même pas mal de compos. Je suis full en plus, donc ça tombe bien. Je ne peux rien porter de plus. Bon, on va retourner en ville, se vider les poches. Ah, le gobelin, c'est... Ah, j'ai pas tué le gobelin au trésor, t'es sérieux? Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, mes petits pétos, là? Oh non, s'ils font pas le travail, ça va pas aller. Bon, de toute façon, on fait ça pour l'or et les gemmes, donc voilà, c'est pas grave, on loupe un ou deux gobelins. Hein. Bon. Ce n'est pas encore prêt. Bah ouais, mais allez quoi. C'est con qu'on n'ait pas un bouton pour leur dire à ces cons là de attaquer quoi. Un peu de patience. Attaquez ça, bande de cons. Non, vous avez pas envie. Donc je suis obligé d'attendre mon mur de piranha, c'est génial. Voilà, merci. Juste pour péter les petits trucs. Allez. Il y en a un deuxième à côté. Pétez-le. Ce n'est pas encore prêt. C'est compliqué, hein. Faudrait que je trouve le... Je pense que...
peu de patience. Ce qu'il faudrait que je fasse quand je fais un pactole comme ça, c'est de mettre peut-être des coups blancs. Un sort de coup blanc dans ma barre de hotfix à la place du sprint. Parce que je vois pas ce que je... Ou alors la moisson d'âme... Ouais, quoique la moisson d'âme, je m'en sers pas non plus. Même pour Avarice, hein, je vais pas m'en servir. Parce que ça va me donner 15 stacks de toute façon. Bon, on va essayer de pas mourir. Déjà, ça serait pas mal. Parce que la dernière fois que je l'ai fait en T13, je me suis fait juste ouvrir la gueule. Au moins 3 ou 4 fois. Il faut atteindre. Donc là on va essayer de ne pas mourir et ne pas rester à côté d'elle. Voilà. Tout simplement, ne pas rester à côté d'elle. Tu ne mourras pas mourir. Tu ne mourras pas mourir, je te dis. Aïe. Rosemary, arrête. Arrête de me fousser dedans. Hein. Butez-moi ça, bande de route. Aïe, arrêtez madame. Ça pique les fesses. Allez, Maru. Meurs, s'il te plaît. Oh, shit. Ce n'est pas encore. Alerte. Ah ouais, bah ouais. Aïe, aïe, aïe. À pique. À pique, à pique, à pique. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Aïe, arrêtez madame. On a failli manger un coup de marteau dans la gueule. Hein. Eh, je t'ai baisé. Tu m'as pas eu. Crève, crève, sale morue. Hop, moi je récupère, bah, bien sûr. J'ai le temps de récupérer. Hop là. Aïe. Arrêtez. Hein. Bon, par contre, faudrait peut-être la tuer un jour. Hein, juste comme ça, au bout d'un moment, faut la tuer. Hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va pas être possible. Hein, donc voilà, faut la buter. Un peu de patience. Aïe! Aïe! Ce n'est pas encore prêt. Aïe! Ah, bah enfin! Il ne devait pas lui rester grand chose sur le crâne en gobelin là. Je sais pas combien on en a eu, mais. Bon! Un niveau de parangon, c'est génial. On a fini? On a tout récupéré? Oui. 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 Oui, oui, je sais ce que c'est. Allez, salut. Je dois rentrer. Allez. Bon, ça va, je suis pas mort. J'ai pris quand même quelques coups dans la gueule. Hein. Ça, on le cache pas. Alors, une Black Thorn, génial. Et, perdu. Perdu. On a récupéré quand même quelques gemmes. Alors, pas grand chose. Hein. Pas grand chose. 7. Pff. Faudrait que... Là, franchement, je serais content de tomber sur des minéralomanes. Hein. Je serais content de tomber sur des minéralomanes dans des failles. Malheureusement là en ce moment je tombe pas dessus. Donc c'est un peu la catastrophe. Et au niveau des gemmes, vu que j'en gaspille beaucoup, on est vite très très vite à court. Et il va m'en falloir beaucoup hein, parce que si je mets des caldessanes sur mon stuff et tout, il faut 3 gemmes pleines de jaune là. Et du coup j'en gaspille à mort hein. Puis je les transmute hein, toutes mes gemmes comme ça je les transmute en jaune aussi. Donc du coup, ça part à une vitesse folle. Allez, bon, alors ça c'est fait, on a fait le pactole, on s'est régalé. On va tout simplement tenter une 66, les amis. Puisque nous avons réussi une 65 la semaine dernière, samedi. Donc aujourd'hui, nous tentons, et oui, sous vos yeux ébahis, la 66. Hein. De toute façon, nous avons battu le record de l'année dernière. Sans aucun souci, puisque nous étions bloqués à une 64 la saison 6. Oh là, je prends une tricherie, Laissez-moi tranquille. Allez, voilà. On essaie de survivre dans ce monde de brutes.
c'est le bordel, il y en a partout, je vous comprends. Ce n'est pas encore prêt. Je te maudis. Ouais, ouais, moi aussi je te maudis. Je t'ai maudit, je t'ai vendredi, je t'ai mardi, je t'ai jeudi, tout est. Un peu de patience. Allez. Et bouge, bouge Jean-Maurice. Voilà, bouge, 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 voilà. Oui, oui, je sais, Jean-Maurice, Jean-Michel, Josiane, Jacqueline. Ouais, il y a plein de noms comme ça hein, qui sont assez cool. Il faut attendre. Ah ouais, c'est qu'il y avait deux packs d'élite. Ok, d'accord, je comprends mieux. En fait, il y avait des bleus et un jaune. Voilà pourquoi du comment on a pris très très cher dès le début. Mais ça nous permet eh ben, tout simplement de prendre directement de l'avance. Ce n'est pas encore prêt. Sur le timer, ça c'est cool. Bon, je suis pas très fan de ces mobs. Mais bon, on va faire avec. Si j'oublie pas, bien sûr, de mettre mes stacks, hein, tout simplement, mes stacks de moisson d'âme, ce serait sympa, quand même. C'est quand même de la petite réduction de dégâts, c'est sympathique. Allez, barrons-nous d'ici, alors que on voit que pour l'instant, Tigrou a réussi. Classe supérieure, comme au fait, je sais absolument pas ce que c'est. Il y a tellement, tellement de au fait dans Diablo 3, les amis, que je ne sais absolument pas les retenir. Voilà, pourtant on fait toujours les mêmes. Oh, calmez-vous. On fait toujours les mêmes au fait hein, toutes les saisons, puisque toutes les saisons c'est remis à zéro. Donc on les recommence perpétuellement. Mais même comme ça, j'arrive pas à les retenir. Même comme ça, j'arrive pas à les retenir. C'est un peu compliqué. Voilà, allez, c'est bien, voilà, donne. Donne du bonheur, donne. Donne, Dieu te le rendra, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Hein. Je suis pas certain que ce soit vrai. Après, peut-être que certains sont beaucoup plus croyants que moi. C'est possible. Et je comprends tout à fait. Mais moi, c'est pas mon cas. Hein. Allez, on les bute tous ces congres. Oh là, il y a du monde ici. On va faire le ménage. Voilà, mourez, mourez dans notre souffrance. Voilà, voilà ce qu'on veut dans Diablo. Voilà, des mobs qui meurent tranquillement, tranquille. Voilà, allez, continuez, mettez-moi de la densité là-dedans. Je veux de la densité, de l'amour. Allez, c'est parti, mourrez dans la densité, dans l'amour. Allez, on meurt s'il vous plaît, allez. Bon allez, on se barre d'ici. Je pense que j'ai pas pris le bon chemin. Hein, ça c'est pareil, moi... et le GPS interne, c'est mort. Je pense qu'on va plutôt partir. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser tranquille. Merci. Je pense qu'on va plutôt partir par ici. Oh, de la densité, encore. Voilà ce qu'on veut. Allez, densité, voilà. Comme ça, on récupère le piranha très très vite. Allez, on se met dans l'anneau de l'Oculus aussi, hein, bien sûr. Histoire de choper un boost de dégâts. Un boost de dégâts. Ah non, c'est pas pareil. Encore de la densité, encore. Voilà, c'est bien. Mourez tous. Voilà, c'est ça qu'on... On va partir par là, tiens. Hop, je sens bien l'issue par ici. Bon, pour l'instant, on a toujours de l'avance. Au niveau des dégâts, ça va, on arrive à gérer. Hop, je garde mes stacks. Je suis à 10 quand même, c'est plutôt pas mal. Hop, allez. On balance le piranha, je suis bloqué dans un amas de monstres. C'est pas très cool, pas très gentil. Allez, faut mourir. Il y en a qui sont résistants plus que d'autres quand même. Ah, il y en a qui sont voilà quoi. Voilà, ils ont de l'armure. Ah, bonjour messieurs dames. Trois grotesques qui vont exploser en élite, ça risque de faire bubum. Ça risque de faire un petit peu bubum. Ah, et oui, j'ai pas mes stacks. Je n'ai pas mes stacks. Il faut attendre. Je suis bloqué, laisse-moi sortir. Mets-toi dans l'anneau de l'Oculus, voilà. Boum boum, voilà, je savais que ça allait faire bum bum. Allez, on récupère tout ça et on se tire. Ce n'est pas encore prêt. Hop, les esprits tout ça. Hop. Dès qu'il y a un peu de densité, on n'hésite pas. Ah, j'ai oublié d'un élite là. Il y a un élite ici.
Ok, on va essayer de se les faire. Donc c'est des élites qui sont invisibles. Je les aime pas ceux-là. Je les aime pas trop. On a failli mûrir. On a failli mûrir les enfants. Oh, ils sont invisibles. En plus, ils se mettent la bulle. Sérieusement. C'est pas gentil. Hein. Pensez à moi quand même. Ce n'est pas encore prêt. Ouais, bah oui, c'est pas encore prêt. Putain, mais mes stacks de moisson d'âme. Je n'y pensais pas. Ça, faudrait qu'un jour, il y a un mec qui crée un add-on pour ce putain de jeu de Diablo 3. Un peu comme j'avais sur... Sur WoW, hein, quand je jouais à WoW. Mon jeu était rempli d'add-on. J'avais des add-on pour tout et pour rien. Mais c'était cool. Voilà, plus t'avais d'add-on, plus t'étais fort, bien sûr. C'était pas vrai. Mais voilà, un putain d'add-on pour l'interface. Parce que l'interface, des fois... juste mal foutu sur Diablo, même s'il arrange hein, toutes les saisons, ils font des améliorations, ils changent quelques trucs, c'est cool, mais il faudrait pouvoir changer la place de certains trucs, et notamment les buffs, faudrait pouvoir les changer de place, parce que je ne vois pas mes stacks, je veux voir mes stacks de moisson d'âme, c'est vrai que ils sont beaucoup trop bas, et je regarde pas très souvent la barre des sorts, hein, donc... je regarde pas toujours mes trucs. Mais après c'est peut-être un apprentissage hein. Vous savez que c'est la première fois que je joue réellement féticheur. Donc du coup j'ai pas l'habitude de jouer féticheur. Et donc j'ai pas encore le réflexe. Oh là là, on commence par un élite encore. J'ai pas le réflexe hein, de... Bouge. Je dois me soigner. Putain, t'es sérieux? Ce n'est pas encore prêt. 14 fois, faut appuyer sur le sort pour qu'il mette le sort. Oh, c'est bon quoi. Laisse-moi tranquille. Il faut attendre. Voilà. Non mais oh. Bon, le boss, il va popper là aussi. Ah, puis bloqué derrière un truc qui casse. Ah bah voilà. Bonjour monsieur. Allez, on se met un petit protec. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je sais, oui, vous allez mourir. On est d'accord. Mais en même temps, moi, j'ai failli mourir juste avant, donc calmez-vous. Tout va bien se passer. Vous verrez, ce n'est pas douloureux. En même temps, vous êtes une araignée, donc c'est dégueulasse. Hein, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Vas-y, non, mais moi, vas-y, tape-moi, hein, j'ai bon protect pour l'instant. Donc voilà, ça ne fait absolument rien que tu me mets des petits coups d'ailleurs. J'adore. Parce qu'en plus, ça te fait un renvoi de sort, hein, normalement, le Protec. Donc, t'es gentil, mais tu meurs à un moment donné, s'il te plaît. Ou pas? Ah, ça commence à être long, hein. Ça commence à être long à buter les boss. Ils commencent à avoir un petit peu de la vie, hein. Ils commencent à avoir un petit peu de la vie, ces petits bâtards. Voilà, voilà, on n'en parle plus. Voilà. En plus, tu me donnes de la merde. Tu me donnes un fléau alors que je suis un putain de féticheur. Non mais sérieusement. Bon, celle-ci est passée 55. On va passer celle-ci en 55. Et on va commencer à monter celle-ci à 55 aussi. Bon, bah ça c'est fait. On l'a faite en 8 minutes 47. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Donc monsieur Orek, 5 millions dans la besace, 6 milliards d'XP, 11160 cristaux de sang. Ça c'est plutôt cas. Et j'ai aucun ami qui joue féticheur. Hein. Aucun ami joue féticheur cette saison. Apparemment c'est quand même la classe la plus cheatée au niveau DPS, mais personne ne joue féticheur. Bizarre. Dans mes amis en tout cas. À moins que j'ai pas d'amis. Peut-être ça aussi. Ah bah oui, j'ai peut-être pas d'amis, c'est peut-être ça. Bah bien sûr, j'ai peut-être... C'est ça, mais c'est ça, mais bien sûr que c'est ça. Je n'ai pas d'amis. Vas-y, dégage. Toi, je vais te garder. Quoique non, c'est point des cieux, donc on s'en fout. Je jouerai Captain America, de toute façon, donc... c'est pas celui-ci qu'il me faut. La litanie de Jepreux. J'en ai trois déjà. Ça dégage... et un cauchemar de Sebor. Quand vous ouvrez un coffre, oh, génial, d'accord, vas-y, dégage. N'importe quoi.
Comme s'il y avait des coffres à tous les coins de rue, quoi. Comme s'il y avait des coffres à tous les coins de rue. Non, mais sérieusement, quoi. On a tout vu. Tout vu. Bon. Et ben ça, c'est cool. On va mettre vite fait les petits points de paragon. Hein. On commence à être bien, là, au niveau des paragons. Alors que je monte encore. Hein. 549, c'est pas assez. Mon record, c'est 672. On va aller faire un petit tour chez Cadapute. Histoire d'essayer de choper un Géram en ancien. Eh ben non, on prendra pas un Géram en ancien, c'est pas grave. On est habitué. Hein. On est habitué à Cadapute. On est habitué à ce qu'elle soit aussi putasse. Hein. Putasse. Hop, allez, ça dégage. Boum. On est bien, hein, on est bien. Je vais, si. Ce qu'on va faire, c'est, on va essayer de se faire une fournaise, hein, parce qu'il me faut une fournaise. Il me faut une fournaise. Donc, on va se faire masse à deux mains. Hop, on va s'en faire 5. Bon, les 6. Hop, et on va tenter la transmutation pour avoir une putain de fournaise, puisque je n'arrive toujours pas à la looter. Et que je sais pas si on a beaucoup de chance de la looter en tant que féticheur. Mais on va tenter de la transmuter tout simplement. Tais-toi, Zoltun Kool, on s'en fout de ta vie. Donnez-moi une fournaise. Donnez-moi une... Putain, mais on fait toujours les mêmes. Toujours les mêmes, hein. C'est impressionnant, ça. C'est chaud hein, quand même de... Voilà, mais vas-y, hein, 3 de suite, pratiquement... On est bien, quoi. On est très très bien. Ah oui, non, mais monsieur, là, on est très très bien. Allez, mais vas-y, donne-moi une quatrième, mais oui, mais sur... Non, mais sur 6, quoi. Sur 6, j'en chope 4, quoi. Allez, 5, c'est magnifique, génial. Ça aussi, ça, c'est... Putain, c'est Cadapute qui a fait le cube, aussi, quoi. C'est... obligé, quoi. Je suis sûr et certain que c'est Cadapute qui a fait le... Qu'a fait le cube. Sérieusement, quoi. C'est nimp, monsieur, dame. Je m'insurge en faux. Bon, bah ça, c'est mort. Du coup, bah, on va recommencer à remonter un petit peu en compo avant d'en refaire, parce que c'est pas tout, mais ça s'en bouffe quand même pas mal. Juste regarder le classement vite fait des féticheux. Alors, monsieur Iggy est descendu. Hein, monsieur Krill est passé devant. Il est rentré une minute d'avance. Et monsieur Krill, il jouait quoi? Pareil. Sauf qu'il a la fournaise. Ah, il jouait Rituel de confiance, par contre. Je crois qu'aussi. Je sais plus. Ok. Ah, par contre, ouais, fléau des accablés, les amis. Fléau des accablés. Vraiment. Ouais, le faille. Ouais, non, mais des gemmes sans, quoi, les mecs. Des gemmes sans, les mecs. Arrêtez, c'est pas possible, quoi. Gemmes sans, ça fait combien? 1,80%, c'est pas énorme, quand même. Et celle-ci, en 95, 43% de dégâts familiers en plus. Oh. Ok. Ah, il l'a pas en ancienne. Et il a pas en ancienne non plus. Par contre, il a Géram en ancien. Ah, il a pas en ancienne. Moi, je l'ai en ancienne, nananère. Ancien. Et ancien. Ouais, d'accord. Il a quand même un bon stuff. Et puis, il a une putain de fournaise, quoi. Bon. Donc, pour entrer dans le classement, il faudrait qu'on rentre une 82, les amis. Une 82 en 14 minutes 56 pour rentrer au classement. Voilà. On en est loin. Pour l'instant, on est à 66, les amis. Moi, je suis très content déjà. Ça me suffit. Le but de cette saison, c'était de passer une plus grosse faille que la saison dernière. Donc, c'est fait. Hein, parce que c'était une 64, je vous le rappelle, lors de la saison 6. On a rentré une 64 avec le moine. Là, on est à 66. On est qu'au tout début de la saison, puisqu'elle est encore, là pendant moins de 2 mois, hein, puisqu'elle a commencé juste le 5 août. Donc, on a encore le temps de monter
au classement, voilà, hein, tout simplement. Donc 66, c'est fait. Le deuxième objectif, c'est les niveaux de Parangon. On est à 549 pour l'instant. Et vu encore une fois qu'il reste encore à peu près 2 mois de saison, on va pouvoir monter. Alors peut-être que je ne ferai pas 2 épisodes toutes les semaines pendant la saison. Hein. Au bout d'un moment, je vais peut-être me calmoucier un peu. Parce que voilà, moi j'aime bien jouer à Diablo au début de saison, après en milieu de saison je joue beaucoup moins, et je me relance dessus en fin de saison pour me remettre dessus, pour voilà, pour me remettre dedans pour le début de la prochaine saison. Donc peut-être que durant le mois de septembre, en plus je vous expliquerai dans le Norse Gaming News du mois d'août, qu'au mois de septembre je risque de beaucoup moins jouer du fait que je vais me faire opérer, donc déjà pendant 4 jours je ne serai pas là. Donc du coup voilà, il y aura peut-être un programme allégé, on va dire, en milieu de saison. On verra, peut-être que je ferai qu'un épisode par semaine au lieu de deux. Mais en tout cas, vous serez prévenus. Voilà. Et de toute façon, donc voilà, les objectifs sont déjà moitié remplis. La faille 64 est passée, on a 66. Donc du coup, on va continuer de monter le classement pour aller le plus haut. Aller plus haut. Non, j'arrête. Et après, le deuxième objectif, c'est les niveaux de Parangon. On est actuellement à 549. Mon record, c'est 672 en une saison. Donc c'est le but, mais ça monte très très vite, et du coup il va falloir que je farme aussi en off, hein. Je vais essayer de faire des failles normales en groupe, histoire de choper au moins des gobelins minéralomanes si je peux, mais surtout voilà, des gemmes, et puis monter mes niveaux de parangon comme ça. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas, hein, si vous avez des conseils, des questions ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez tout simplement jouer avec moi aussi, c'est possible. Dites-le moi, hein, si jamais, et puis si vous voyez Echo, vous rajoutez-moi sur Battle.net, il n'y a pas de souci. Normalement, vous voyez mon bétag ou pas? Voilà, mon bétag, c'est Tony, hashtag 2351, les amis. N'hésitez pas à m'ajouter, il n'y a aucun problème. Ouh, Apple Seed, tiens, Apple Seed est connecté avec son bardard. Et il est déjà 647, il m'a dépassé, il avait un peu plus de... Enfin, il avait débuté la saison un peu plus en retard que moi, et du coup, il m'a passé, hein. Il joue plus que moi, ce petit bâtard. Allez, désolé, petit bâtard, je vous dis, hein, moi, petit bâtard, pour moi, c'est affectueux. Donc, salut Apple Seed, merci en tout cas pour tous tes conseils. Oui, pour tous tes conseils, ça m'a beaucoup aidé sur le féticheur, vu que je ne joue pas... je n'avais jamais joué féticheur, donc ça m'a fait plaisir d'avoir de tes conseils, surtout que non, apparemment c'était pas non plus ta classe fétiche, hein, ta classe fétiche. Voilà, donc les amis, c'est terminé pour cet épisode, je vais arrêter de blablater parce que ça fait 10 minutes qu'on est là, on fout rien. Donc on se donne rendez-vous maintenant samedi pour le prochain épisode, les amis. Bonne semaine, à la prochaine, salut, bye bye.